C'est un procès historique aux États-Unis, toujours censé durer 10 semaines. Il voit le géant du net Google aux prises avec la justice fédérale américaine, le moteur de recherche le plus utilisé de la planète, accusé d'abus de position dominante. Laura Combo nous dit pourquoi. Quand un utilisateur d'iPhone ou de Samsung ouvre son navigateur, le moteur de recherche de Google apparaît par défaut. Même automatisme pour un internaute sur Mozilla, et le consommateur ne le choisit pas. Cela s'explique par les accords passés entre Google et ses constructeurs de smartphones et navigateurs. Des contrats qui sont dans le viseur de la justice américaine. Ils expliqueraient l'ultra-domination de Google, 90% des parts de marché, loin devant Bing ou Yahoo. Google exploite le plus grand moteur de recherche aux États-Unis. Son nom de marque est devenu si omniprésent que les dictionnaires le reconnaissent comme un verbe. Le juge devra répondre à cette question. Google doit-il le succès de son moteur de recherche à ses performances ou à des pratiques anticoncurrentielles ? Le géant se défend dans un article publié la semaine dernière. Les gens n'utilisent pas Google parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils le veulent. Il est facile de changer de moteur de recherche par défaut. On n'est plus à l'époque des modems et des CD-ROM. Google risque très gros. Au-delà des amendes, le géant pourrait être forcé à changer ses méthodes. Et c'est donc tout son modèle économique qui est en jeu. Les recettes de la publicité adossées aux résultats de recherche représentent près de 60% des revenus du groupe. Ses partenaires pourraient aussi en faire les frais. Selon le New York Times, le contrat qu'Apple passe avec Google représente jusqu'à 1/5 de ses revenus chaque année. Et on en parle avec vous, Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Est-il vrai, comme on l'entend ici et là, que Google a, d'une certaine manière, intentionnellement trompé l'opinion en bâtissant son empire grâce à des contrats illégaux passés avec des entreprises comme Samsung ou encore Apple ? Jusqu'ici, ces contrats ne sont pas illégaux, mais oui, Google a assis sa position totalement dominante, entre autres avec ce type de contrats qui font que quand vous cherchez quelque chose sur Internet, quel que soit le dispositif que vous utilisez, un téléphone, un ordinateur, tel navigateur ou tel autre, vous avez toutes les chances de tomber sur Google. Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, Google est devenu un verbe. Il a abusé de sa position dominante aux États-Unis, comme en Europe, comme ailleurs dans le monde, tout comme bon nombre d'autres géants des technologies. On pense évidemment à Microsoft, mais la plupart de ces géants de la technologie, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés dans une position de domination et l'ont tout fait pour la conserver. Oui, ils ne l'ont pas toujours conservé. Est-ce que aujourd'hui, d'après vous, cette domination, avec notamment ces poursuites aux États-Unis, cette domination sera-t-elle remise en question, d'après vous ? Même si le procès actuel aboutissait à quelque chose de concret, de toute façon, Google a pris une telle longueur d'avance qu'il est très difficile d'envisager qu'un concurrent puisse se faire jour. On a eu l'expérience Quant en France, il y a eu d'autres expériences d'alternatives à Google, et pas des moindres, celles pilotées par Microsoft, avec des moyens colossaux. Et il faut quand même reconnaître qu'en termes de qualité de résultats, on n'arrive pas pour l'instant à la cheville de Google, mais pire encore, le Google étant complètement installé dans les esprits, tout le monde utilise Google, tout le monde est habitué à Google. Ça paraît très compliqué de faire changer le moteur de recherche aujourd'hui. Google est-il dominant parce qu'il est meilleur ou bien est-il meilleur parce que dominant et profitant donc de l'utilisation massive par les utilisateurs qui lui permet par incrémentation de s'améliorer ? Alors, soyons clairs, Google est devenu dominant parce qu'il était le meilleur. Le problème se pose une fois la domination obtenue, comment faire de la place pour une concurrence ? Mais très clairement, Google a, pour ainsi dire, inventé ou presque le concept de moteur de recherche, a inventé cette façon de classer les pages qui est PageRank, qui a beaucoup évolué depuis. Mais c'est très clairement à cause d'innovation et d'excellence que Google a acquis cette position dominante. La problématique, elle est vraiment... Une fois que ces sociétés sont arrivées dans une situation dominante, qu'est-ce qu'on fait ? Et Google est dans cette position dominante depuis des années et des années et des années. L'Europe a essayé de s'atteler au problème. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui s'attellent au problème. Mais même si demain, en utilisant votre navigateur sur votre iPhone, vous n'aviez pas automatiquement accès à Google,
il y a quand même fort à parier que cette position de domination resterait. C'est compliqué. On n'est pas dans le cas de la Bels, qui a été démantelée en plusieurs entreprises de télécommunications à une époque. On ne peut pas découper Google, pour ainsi dire, tout comme on ne peut pas découper Facebook. Du coup, les lois de position, qui sont censées lutter contre ces positions dominantes ont les pires difficultés à appréhender le problème et à trouver des solutions. Qui dit domination pour un moteur de recherche signifie aussi accès davantage que d'autres aux revenus publicitaires. Cela fait aussi de Google un concurrent direct de firmes comme Facebook, comme Apple, comme Microsoft aujourd'hui. Alors pas de Facebook et pas de Microsoft et d'Apple qui sont pas particulièrement versés sur la publicité. Ça représente quasiment rien chez Apple et pas grand chose chez Microsoft. Facebook, oui, est un modèle économique complètement basé sur la publicité. Puis il y a quelques autres acteurs. Et puis il faut pas perdre de vue que cette manne publicitaire gigantesque qui se compte en milliards quasiment tous les, enfin, plusieurs milliards par mois de revenus publicitaires, tout ça vient d'un monde où auparavant c'était dans les médias traditionnels. Donc on a assisté ces deux dernières décennies, en grande partie du fait de Google, à un transfert phénoménal économiquement et un transfert qui s'est fait aussi de l'Europe vers le continent américain. Ça a été une forme d'appauvrissement de revenus publicitaires qui auparavant étaient dans les mains de nombreux médias et qui aujourd'hui sont très très concentrés dans les mains de très peu d'acteurs, Google étant le plus gros d'entre eux. On voit aujourd'hui donc le gouvernement américain qui, à travers son ministère de la Justice, s'en prend à un géant comme Google. Ça dit quoi ? Qu'aujourd'hui, un pays comme les États-Unis a encore les moyens, l'État a encore les moyens de faire face, ou bien ce n'est pur d'une certaine manière, c'est du théâtre, et que Google, aujourd'hui, a dépassé largement le pouvoir des États ? Il est un peu tôt pour se prononcer, on va voir comment se passe cette bataille avec la justice américaine, mais de toute façon, Google, comme on l'a vu récemment, l'empire d'Elon Musk, mais également Microsoft ou Facebook, constituent des extensions de la puissance américaine. Donc, quelque part, quand il s'agit de démanteler Facebook, les Américains pensent qu'en face d'eux, ils ont TikTok et les Chinois. Que concrètement, démanteler Facebook, ils sont très conscients des problèmes que pose Facebook, c'est aussi se tirer une balle dans le pied dans la course internationale et dans la course avec les Chinois. Par ailleurs, tous ces géants de la technologie sont des instruments de soft power, notamment Facebook, mais aussi Twitter. Quand il s'agit de réseaux sociaux, c'est des instruments qui servent aussi à interférer sur les opinions publiques étrangères. Et les États-Unis ne se privent pas de le faire, comme de nombreux autres pays. Donc concrètement, sabrer leur propre champion, ça pose un problème aussi d'intelligence économique pour les États-Unis. Maintenant, la justice américaine est indépendante. Peut-être qu'elle va réussir à abîmer un peu la domination de Google. Peut-être que ça sera suffisant pour qu'un nouveau compétiteur venu d'on ne sait où se fasse une place. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Merci Fabrice Eppelmoin d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'ouverture donc de ce procès contre Google.